Le Larzac. Depuis des siècles, ce territoire a été façonné par les activités des hommes. Dès l'époque romaine, l'exploitation du plateau a créé ces immenses étendues de pelouses sèches. Pourtant, ces steppes arides cachent une diversité de paysages. En bordure des corniches, les terres acides des Ségala se présentent à nous. Leur bocage, encore préservé, encadre les rares terres labourables du Causse qui restent cultivées. Ce bocage comprend de nombreuses haies, mais aussi des arbres remarquables comme les hêtres, les chênes ou encore les frênes. Châtaigniers et houx sont les représentants de ces terres acides au cœur des haies et des forêts. Au-delà des champs et des prairies, de nombreuses fermes et bergeries ponctuent le Larzac. De ces bâtisses de pierre partent un véritable réseau de chemins entourés de buis, appelés les buissières. Elles servaient autrefois à guider les troupeaux tout en les protégeant du vent et du soleil. L'activité sur le Causse a atteint son apogée au milieu du 19e siècle. À cette époque, la main-d'œuvre nombreuse et le développement de l'agriculture a mené à un épierrage massif du Larzac. Cela permettait de gagner des terres pour l'agropastoralisme. Ces nombreuses pierres ont été regroupées en clapasses et en murets qui délimitent les parcelles. Cette activité humaine sur le plateau a réduit à quelques îlots la végétation originelle. Plusieurs siècles en arrière, de vastes forêts de hêtres recouvraient le Causse. Mais aujourd'hui, les besoins en bois et en terre les cantonnent au versant. L'évolution des pratiques agricoles menace ces paysages et leur diversité. Les buis et le pin sylvestre envahissent les terres délaissées par les brebis. Les changements climatiques en cours risquent également d'affecter les haies et les forêts. Un plan paysage du Larzac a été mis en place avec une série d'actions de préservation, de gestion et de valorisation de l'arbre en tant qu'élément structurant l'authenticité du paysage du Larzac.